Bonjour, bienvenue à Computex 2011, ici Arctic. Donc on vous accueille pour vous présenter un petit peu tous nos nouveaux produits. On commence avec des jouets. Donc les jouets pour les enfants moins de 10 ans ou pour les grands enfants comme nous. Donc avec un tank. Joli tank qui fonctionne. Donc ça me permet de travailler et d'apprécier mon boulot en même temps. On continue avec un voilier. Donc c'est un voilier vraiment pour les passionnés de la voile. Pour l'assembler, prévoir deux, voire quand on n'est pas doué comme moi, trois bonnes journées. Donc il marche complètement avec une vraie coque. On continue. Encore le tank. Accessoires pour les enfants, prévus entre 6 et 10 ans. Donc avec différents jeux, la danse. Je vous montrerai pas. Hein. Des courses. Vraiment tout un panel de choix. On continue avec les jouets. Donc toute la section Aqua Rider, qui est pour aller dans l'eau. Bateau de course. Remorqueur. Un oiseau, je suis certain que vous avez déjà vu les vidéos. Camion de pompiers. Et on continue sur toutes les voitures, donc en différentes tailles, pour plaire à tout le monde, avec la télécommande, différents canaux, donc vraie télécommande. Je pense que vous reconnaisserez. Quelque chose de nouveau pour Arctic, c'est toute la gamme son. Donc la gamme son est en plein développement, ça fait à peu près 2 ans maintenant. On a toute une gamme de casques, donc développée un peu pour les gamers, en 5.1. Mais aussi in-ears, donc casque audio. Ça c'est notre nouveau modèle, il sera disponible en France au mois de juillet-août. Prix de vente dans les 40 euros avec une qualité de son exceptionnelle. Je suis vendeur donc vous allez dire difficile. Il y aura des tests, vous pourrez lire les tests et vous les verrez. Donc d'autres gammes de casques avec différentes gammes de prix pour les professionnels au bureau, pour Skype. Casque DJ. Donc pour les personnes qui aiment la musique, qui aiment écouter fort la musique, celui-ci on l'a fait avec Booty, ce sont des DJ américains qui tournent un petit peu partout dans le monde. Je vous recommande d'aller voir leur site, vous avez le lien sur notre site web. Musique très sympa, très sympa. On continue dans la gamme audio avec les enceintes, donc les enceintes de la plus petite en USB. À la plus grosse, prix de vente public aux alentours de 100 euros. Donc pour les gamers, c'est très intéressant. Ou pour les personnes qui veulent se faire un home cinéma system dans un bon budget, très bien. Produit très intéressant. Un casque Bluetooth, microphone intégré, stéréo. Esprit, vendu avec la housse, donc comme ça vous le transportez, vraiment facile. Conçu pour le sport, donc il se fixe derrière les oreilles, ce qui permet quand on court ou quand on fait des activités de se déplacer. On continue, quelque chose que vous allez connaître un petit peu plus. Donc Arctic, cette année, va lancer des gros ventilateurs. Donc j'espère que vous avez un boîtier suffisant. Quelqu'un vous en manque? Vous avez nos boîtiers, le Silentium T11 ou 11. Donc blanc, version tout noir, version grise, que j'aime bien.
mes goûts, hein. Gris et noir. Les alimentations, vous connaissez la 550. On va sortir en fin d'année une 750. Bronze. Un bon produit. Une petite nouveauté qui sort pour cet été. Les bras pour moniteur. Vous me direz, c'est quoi? Ça peut s'articuler dans toutes les directions. USB hub intégré. Donc si vous avez notre Arctic Breeze mobile, toujours pratique à installer au bureau. Si vous voulez travailler avec deux moniteurs ou jouer avec deux moniteurs, pour ceux qui ont trois moniteurs, hein, vous pouvez acheter deux. Hein. Pas de problème, hein. Même quatre moniteurs, aucun souci. Hein. Donc vraiment, je travaille avec ça, c'est super. Je suis convaincu. Les claviers disponibles en blanc et noir. Les sacs que vous avez certainement déjà vu l'année dernière. Contact continue. PC multimédia, c'est la nouveauté. Vraiment la nouveauté. On reviendra un petit peu plus tard sur une vidéo détaillée. Computex, c'est très calme, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a personne. Bonsoir, bonjour, bonjour. Jolie coupe de cheveux. Hein. Ouais, pas mal. Merci monsieur. Donc on arrive sur ce qui est plus familier, les CPU couleurs. Le Freezer Pro, le nouveau. Et le 13 normal. Donc vous voyez une grosse différence. 300 watts de performance de refroidissement pour envoyer du gros. Ah. Édition limitée. Finition en nickel. Pas super pour les empreintes, hein. Mais bon, faut faire attention en l'installant. D'autres ventirades. La nouveauté. Pour les cartes graphiques, le Twin Turbo 2, donc je pense que tout le monde connaît. Celui-ci est encore plus performant, 160 watts, compatible avec beaucoup de cartes. Donc tous les cloqueurs vont vraiment apprécier. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir 3-4 moniteurs, jouer en 3D, avoir des cartes graphiques qui vont passer quelques mois de salaire, l'arme fatale. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de le présenter. Vous avez tous les détails sur notre site. Vraiment un bon produit. Quand on rentre de nouveau, pas thermique, dans différentes tailles, ventilateur et d'autres ventirades. Freezer 7 Pro. Je crois que si quelqu'un ne le connaît pas, je vais être très déçu. Et on continue. Souris, clavier, wireless. Tintin. Clavier wireless avec trackpad, multitouch. Parfait pour les systèmes multimédia ou quand on voyage, hein, on le transporte avec soi. Très convaincant. Donc on vous remercie d'être venu aujourd'hui et visiter le centre Arctic. Donc comme vous voyez, Computex en charmante compagnie. Merci beaucoup et à bientôt.